لاغني كنا الهشتاسي نسو شو جيو اهلتي تسوق فيديو اكي كوشتن ميجيكا بيهاتسن تا جايسا هاني تشيجيتن اهلتي تسوق اهلتي تسوق جايساك تشيركاتسن باي اغنيان هيو على لا وين باشاتسن تيتيت بدا كي تشوفوا ادلا بنا ستيت اهلغيتن بشتس Nik internet ez dit portabilean gainean, baina jare kajik egunaz jabilten dit komunikatzeko, jabilten zugu bilkuen hitzordien emaiteko, eta berrien txogiteko eba jabilten dit. Bon, au début, ça a été difficile, parce que j'étais photographe, on travaillait avec les négatifs, et on a connu le numérique qui est arrivé, les cartes numériques, mais moi j'étais paumé, un scanner, je ne connaissais rien, ordinateur, je ne connaissais rien, ça c'était il y a 15 ans, et donc on s'y est mis, on a appris, petit à petit, petit. On a fait la photo en numérique, on proposait aux clients maintenant des fichiers numériques, on s'y est mis. Et après, la vidéo arrivait. Pareil, on était avec les cassettes vidéo, avec les vieux gros montages. Enfin, c'était la croix et la manière pour faire des beaux reportages. Et là aussi, le numérique arrivait, Internet est arrivé. À Montlyon, c'était génial. Donc, on a monté une web télé. Et au départ, c'était compliqué parce que dans les petits villages, ils ne recevaient pas. Donc, tout le monde disait, ouais, mais Chibéro Télébichta, on aimerait bien, mais comment il faut faire? À quelle heure ça passe? À quelle heure ça passe à la télé? C'était assez rigolo. Puis maintenant, les gens se sont habitués. Maintenant, voilà, ils vont sur Internet et nous connaissent. Le numérique a bien évolué en soule par rapport sur ces 15 dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir Internet parce que tout passe par là. Par contre, vous avez quand même certaines zones qui sont mal desservies, peu accessibles. Donc du coup pénalisante pour les personnes, notamment des villages un petit peu excentrés en zone montagneuse comme Roquiague, certaines zones de Barcus, Pagol. Donc mal desservie, ça veut dire que la connexion va être lente ou carrément pas desservie par les prestataires de la DSL classique, hein, type Orange et SFR. Pardon. Donc ce sont ce qu'on appelle des zones blanches, ça pénalise quand même les personnes qui veulent suivre l'évolution du numérique. Okay. Et qui en ont besoin, oui, voilà, au quotidien, ouais, que ce soit personnellement ou professionnellement, puisque vous avez quand même certaines entreprises aussi qui sont basées à domicile, hein, et qui ont besoin d'avoir Internet. J'ai un très mauvais téléphone, un téléphone par le fil, très souvent en panne et pas réparé, et point d'Internet par le fil. J'ai attendu d'avoir l'aide du conseil général pour m'équiper par la parabole, le satellite. Et bon, pour ce que j'ai à faire, ça me convient au niveau de débit. Par contre, je paye 54,90 € pour avoir un minimum d'Internet et le téléphone qui ne marche pas forcément. Et je trouve que c'est très cher. Et je ne peux pas faire sans, puisque la MSA ne m'envoie plus de courrier, que je suis obligée de faire une déclaration d'impôt par Internet, que je suis obligée de faire tout par Internet, même à la banque, et que voilà, donc je paye et c'est pas normal. Et en agriculture, comme dans toute entreprise, même en agriculture, aujourd'hui on est obligé d'avoir Internet. Nik normal atzamaiten dit hoek uken dezagun hain batetan posibilitatea etxen ukaitia, baina hainiz osagarria ekiko ze ez dakizugu ze egiten daikun ze maiten din gure osagarriai. Eta hainbeste onda bazterotan amini bat lotxazten izu. Geo jale jabilten dizugu, hain batetan utxaduzu bazterotan izan dadin. Bon, ça se fait qu'on n'y arrive plus sans Internet. Et est-ce qu'on peut encore le faire sans Internet? Je sais pas, donc du coup c'est une obligation, même si on n'a pas envie de le faire. Si on a envie de le faire sans Internet, ça limite énormément pour le développement soit des activités, limite le développement personnel. Enfin, comment ça se fait que je suis humaine mais j'ai besoin d'un aspect numérique avec moi? Sinon, je vaux quelque chose, mais moins que les autres, parce que j'ai pas cet aspect-là avec moi, quoi. Et ça, je trouve que ça pose vraiment question, et notamment au niveau de la liberté, de ce qu'on est et ce qu'on fait.